السلام عليكم، ازيك اللون. بون جيسبر تكونو كاع ملاح لاباس، جيسبر كايتو مليح. جو فولي بريسيزي سيغتان شوز باسكو راني شفت بلي راني داير شويه البوز على الانترنت الحاله. بيرسونيلمون سا في بليزير كو سارتان دو ميز ايدي سون باسي كو ايز اون ايتي اوكوتي، ميم سي سا بوكو دو بيرسون نون با ايتي داكور افيك موا. جو دي سي فوت في بريفي، دونك كل واحد ا سا في، شاكان سيز ايدي شاكان. Mais je voulais préciser un autre truc, c'est que mes idées ne se limitent pas à boire de l'alcool ou passer des soirées entre amis ou justement pouvoir embrasser sa petite copine ou sa fiancée ou sa femme dort librement. Donc, ce que je voulais dire là, par là, il y a beaucoup de séquences. Les choses jazz ou fusma le film, les tournées là au Magdag, les choses dans la politique, dans des projets. Je crois qu'il y a des projets personnels à Nihab. Parmi eux, c'est parmi eux la production locale, parce que je me base bizarre à la production locale, je me base bizarre sur le développement d'Adiar. C'est des passages qui m'a demandé, c'est des passages qui m'a déjà zouche. Gat. Qu'un des passages d'année où on était justement sur le binge maha, je pense que gars les Algériens, même ça, gars, ils jouent au Sahara de binge maha, ou sur le lit, on ne s'entendait pas qu'il m'a relou et il filmait, non, parce que Hadek c'était un côté personnel. Donc du coup, le fait Hadek Hato le film, déjà de 1, on ne s'attendait pas. De 2, qu'il y a une deux demoiselles ma'ana dans le passage à Hadak qui ont demandé à être floutées. Ils n'ont pas été floutées. De 3, bon, Anna, personnellement, je ne m'y connais pas en journalisme, je ne m'y connais pas en niveau loi, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce que tu as signé quelque chose. Non, rien n'a été signé. C'était juste la personne en question qui est juste venue en tant que journaliste, qui fait des écrits dans un journal, où voilà, il voulait faire un truc sur la jeunesse algérienne, disons. Ou parmi sa la jeunesse algérienne, surtout en 2019, qui est le côté Hirak. Donc à la BH, le côté Hirak, Fadak le film. Ce qui a créé confusion. Ce qui a créé confusion. Tous ces dépassements, enfin, mais je ne vais pas dire des dépassements. Je vais dire plutôt, justement, des dépassements de la part du réalisateur ou des journalistes qui n'ont pas respecté certaines choses, qui n'ont pas tout publié, qui ont publié Rer ou Shih Bouhouma, Rer le côté Léa Hider Behel Buzz. Parce que qui m'a dit que la discussion, on discutait entre amis, jazz, même pas une minute, alors que c'était au moins 35 minutes de discussion, où on a parlé de tout, il se focalisait juste avec le moment où la demoiselle parlait de masturbation, la femme, sur le tabou de la femme sur la masturbation en Algérie, la loi des familles, ou le hala, etc. Donc déjà, qui m'a dit que le côté de la masturbation, c'était déjà même pas censé être filmé. Donc, à confirmer déjà comment ça s'est passé. On a fait passer, c'est des idées qu'on pense et c'est des idées qu'on défend. Les autres idées que je défends, et ces idées-là, je pense qu'ils auront beaucoup plus le public algérien, n'ont pas du tout été passées. J'ai dénoncé des dépassements, j'ai dénoncé de la corruption que j'ai moi-même vue. Par rapport aux startups qui se développent, certains cyberpack en Algérie, qui ont beaucoup de détournements. J'ai parlé Tani de l'économie, qu'est-ce qu'on doit changer, sur quoi on doit se baser. La réutilisation du pétrole, au lieu de l'exporter, on devrait l'utiliser pour une production locale. Parmi eux, mon propre projet, dont j'ai besoin de ce côté du pétrole, c'est-à-dire pour développer un bon projet local algérien. Donc, qui m'a de la faillite, c'est ma le plus important. Sur la salle de l'année, elle est faire ma jazach. Umbada, le film a été réalisé là. Déjà de base, quand je suis à la banablisse, elle est passée sur la télévision. Je m'attendais là personnellement à une chaîne YouTube là, par rapport aux journalistes. Mais finalement, c'est passé sur la télévision. Sur la première fois qu'elle est passée à la télé, je me demande quelle chaîne de télé. Umbada, que je vais dire même pas un mois et demi juste avant que sa diffusion, genre quand là, ça va passer sur France 5. Bon, déjà que j'étais assez outré par rapport à ça, mais je me suis dit, bon, ok, j'ai fait part de mes idées dans ce film, dont j'avais parlé, ou sur l'image justement. C'était plus important pour moi. Et par rapport à la diffusion, donc, un extrait du film, enfin le film, en général, un lien privé, etc. Il nous a envoyé, je pense, que même pas 3 ou 4 jours à l'avance. Moi, c'est un truc, même si je lui demande de modifier des choses, c'est 3 jours ou 4 jours à l'avance, c'est ma cache qui fâche. Ou même, j'ai même pas eu le temps de modifier, de regarder le film, déjà de 1, parce que je bossais. Et comme je bosse sur mes projets à 2 mois,
J'ai pas eu le temps de le voir, donc je me suis dit, l'achia, malak malachia, agda, kinja, nalkod, farjul le film. Alors, très le lien en question, le lien avait disparu. Donc il avait laissé juste un qui m'a collé. Fatra moyenne, moussma, avec la diffusion, le site VMO, justement. Donc voilà, c'était. Je veux dire que voilà. Bon, quand tu as un collé là, ça, c'est que je suis la rani qui m'a. Qui m'a presque galé, je n'en sais rien. Khrach le Hirak le 22 février, où je crois que presque galé chaque vendredi ou tant les mardis, écoute, Khrach, pour le même objectif, un changement, le 5e mandat, une nouvelle Algérie qui m'a encore le connaît, il faut qu'il y ait une nouvelle Algérie. Au fait, avec la période, j'avais vraiment beaucoup de personnes qui étaient de mon côté, par rapport à mes idées, par rapport à certaines choses, donc, ou certains non, ou à d'autres personnes, justement, j'avais toujours une bonne entente, mais j'arrivais toujours à réunir les gens. C'est ce qui était bien. Ou là, actuellement, Chanin Chouf, c'est Chanin Chouf, bizarre de ces gens-là, de moi, les choses qui nous démènent, ou à faire le Hirak, ou voilà, ou à faire le etc. Donc, il doit aller comme quoi, mais le Hirak. Je vais encore mentionner un truc, c'est que l'essentiel de ce que j'ai parlé au Fluffin, c'est des choses, les Mthnaga, qui n'a pas été publiées. Donc, je publie, c'est un truc, je veux dire, que personnel. Donc, Anna Willan Schraub. Là, peut-être une telle là, peut-être chacun sa vie privée, peut-être que ça a autre deux personnes, là, et je trouve que tout. Mais l'objectif de base, je trouve le noyau de base, c'est que ça, les rana gars d'accord à l'air, c'est que maintenant à touch, avec le côté avec les ma bench gars, ou un jour d'un mec pendant des semaines, je me disais, ah, il va sortir le film, alors on va être à les France 5, je suis à France 5, qui fâche, voilà. J'ai défendu mes idées, les idées de moi, c'était pour une nouvelle Algérie. Mais à la fin, je ne sais pas, donc pas que c'est des séquences qui ont été filmées, qui m'a fait le côté avec mes amis. C'était une séquence qui a été filmée à leur insu, à mon insu dernier. Des passages où je parlais vraiment de choses bien importantes, le Hirak, d'économie, de gestion, de beaucoup de qui m'ont collé au des choses qui ont besoin de changer, des trucs super importants, Adakga n'a pas été mentionné. Donc du coup voilà, je me retrouve là actuellement à être harcelé sur Facebook, voilà, Adak ou Tak Tadalpasimna, ou là, ça m'envoie des messages, ou certaines personnes même des menaces de mort, là. Donc je me suis dit que qui fâche le Hagnalana, qui fâche. Alors si on revient à l'idée même, c'est que voilà. C'était un changement sur le film, je m'y attendais pas. Je vois un film qui déroule au montage, il y aura des scènes coupées ou qu'il y a des scènes, moi je ne coupe pas. Mais sur le fait le film, c'était vraiment. Qu'est-ce que je me rappelle? Je vais dire blé seconde près. Blé seconde près, sur toutes les choses, même manière personnellement, je voulais pas que ça soit sur les. Parce que même, j'ai pas eu tant l'occasion de revoir les séquences, juste après qui filmait maintenant. Mais bon, voilà ce que j'allais dire déjà. Bon, Anna, je vais vous donner un conseil, je vais vous donner la vidéo. C'est que malheureusement, je vais vous donner comme je vais personnellement. Donc, oui, là, un jour, vous avez l'occasion, un journaliste, qui vient comme il faut l'interviewer, qu'on a un truc déjà de 1, n'a commande de l'information, parce qu'on a personnellement que je ne savais pas, signer des papiers. Là, j'ai rien signé. Et de 2, gardez votre téléphone en mode vidéo. Ça m'a déroulé des vidéos à Rahticom pendant que le film tourne, là, le reportage en question tourne. Donc, essayez de vous filmer. Mais donc, c'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire comme question. Comme réponse plutôt. Ou Tani, machi, par rapport à Ten, les figures, on laisse une personne, il colle voilà, bien figuré à la fin des commentaires. Même pour les caméramans. Parce que même le caméraman en question, Lidjana, genre, même moi, machette-le, alors. Parce que je vais vous donner un conseil, Tani, les caméramans, ne filmez rien sans autorisation. Parce que, oui, ça là. Qui m'a pour le caméraman de Kajusalo qui m'a salé là. Donc, essayez d'éviter ça. Essayez au maximum d'éviter ça. Ou voilà, salam alaikum, inchallah et tout bien. Ou, shunkolkom. J'espère que Rahat Beddel Shuya Hala.
J'espère que je pourrai faire mes projets, les projets de ta production locale. J'y tiens, l'azm de la publicité, allez, à Badahadi. Tu le chulis tricouat ou des converses à 200 dinars, 300 dinars. Adi, je suis en bonheur comme un indien, mon doc. Je suis l'aide prochain, inshallah, tout le mois de consommer, je vous ai donné par rapport à l'Ipsatéakou. Et ce sera 100% algérien, ou ce sera de la part de la personne qui chrope les fruits. Adi, adi les fruits. Ce sera de ça la paradis. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous, on peut le commenter. Et yeah.